quand on vous parle, oh non, je maîtrise. Quand on parle, oh non, 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 général, on maîtrise. Quand on parle, oh non, faut pas juger. Quand on parle, la jeune fille que vous voyez là, la jeune fille que vous voyez, je viens d'apprendre qu'elle a été assassinée. Le corps découpé dans une résidence meublée. C'est maintenant que les gens vont commenter ces vidéos, vont liker, en mettant RIP. Certaines personnes disent qu'elle est allée gérer busy. D'autres disent qu'elle est allée se reposer. D'autres affirment qu'elle est allée voir son gars. Mais la conclusion, on a retrouvé son corps totalement découpé. Vous êtes sur les réseaux sociaux. On parle, oh non, on maîtrise. Les pervers narcissiques ont un téléphone. Les bouteurs qui sacrifient les vies humaines ont les téléphones. Les satanistes ont des téléphones. Vous commencez à vous dénuder. Vous commencez à exposer la chose que Dieu vous a donnée. Vous voulez forcément devenir star, être connu. Vous oubliez une chose. Il y a des gens qui sont capés dans l'ombre et qui te regardent. Qui vont t'amener un message, j'aime ton contenu. Qui vont t'amener deuxième message, j'aime ton contenu. Tu sais ce qu'ils vont faire après? Ah non, actuellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je ne fais rien, je t'amène 150 000 francs, commence à faire quelque chose. Le même tonton va t'amener 200 000 francs, fais quelque chose. Tu dis, hey, Dieu m'a béni, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Un matin, le monsieur t'invite dans une résidence. Tu arrives, il dit, c'est sa résidence. On est là pour une semaine. Le troisième jour, le monsieur te dit, je suis une personnalité publique, je ne veux pas qu'on me connaisse trop, je suis une autorité. Ton téléphone, il faut l'éteindre. Il faut amener un message à ta maman pour dire que tu es en voyage. Un matin, on vient ouvrir la résidence, c'est ton corps qu'on trouve. Combien de femmes actuellement, on dit iPhone 16 est sorti. Toutes ces filles-là sont en train maintenant de courir à gauche, à droite. Qui va avoir le premier iPhone 16? Qui va avoir le premier iPhone 16? À cause de iPhone 16, tu vas aller faire une semaine dans la résidence avec un homme qui va te faire des choses, te pénétrer là où on ne te pénètre pas à cause d'un iPhone 16. Quelle est ta dignité en tant que femme? J'ai mal, hein? Parce que cette fille-là peut être ma fille. Cette fille peut être ma fille. Vous allez trouver des gens qui sont toujours dans le langage. Oh non, la mort ne prévient pas. Oh, c'était son destin. Non, non, vous commettez des erreurs. Des erreurs à parler à des inconnus. Des personnes que vous ne connaissez pas. Qui rentrent dans votre inbox. Vous parlez à eux. Jusqu'à le monsieur te donne rendez-vous. Tu vas au rendez-vous. Soit disant, je me mets entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas dans la bordellerie. Dieu n'est pas dans ça. Dans le houbis. Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne sais pas ce que les Africaines et les Africains veulent. On a créé TikTok. Comment utiliser ce réseau pour donner des messages, pour faire part de ton commerce, pour exposer? Mais vous, c'est votre corps que vous avez décidé d'exposer. Conclusion, la mort. J'ai mal. Je ne juge pas cette jeune fille parce qu'on ne parle pas de mort. Mais je veux toi te juger et te donner un conseil. S'il te plaît, fais très attention. Le monde dans lequel nous sommes là, surtout en 2024, cette fin d'année, vous ne savez pas ce qui vous attend. Au niveau de la France, lors des Jeux Olympiques, la capitale de la francophonie, c'est la France. La cérémonie était la dédicace à l'esprit de mort. J'ai dit depuis le début de l'année que 2024 sera l'année de la mort. Vous vous amusez avec cette année, on va vous enterrer. Combien d'artistes, combien d'hommes de médias, combien de TikTokers, tous les jours, rip. Regardez cette belle jeune fille, avec tous les atouts, qui pouvait faire la fierté de sa famille. Aujourd'hui, ses parents sont obligés de l'enterrer. Écoute-moi bien, ma chérie, ta mère n'a pas de quoi manger. Ton père n'a pas de quoi manger. Je te demande pardon, prends l'eau, mets sur ta tête. Va crier Awaji, va vendre l'eau. Mais dis que j'ai honte, ça là c'est dégradant. Mes gens vont se moquer de moi, ils vont dire que je suis tombé. Et je préfère être un coulé et être en vie, qui est un debout et mourir dans des conditions bizarres. Je répète, je préfère être un coulé, être en vie. Les miettes là, je mange, je donne à ma maman, elle mange, mon papa mange, que d'être un debout. Maintenant vous les parents, les bâtards des parents, les maudits parents, qui tous les jours est en train de regarder vos enfants. Et puis il leur dit, mais il faut faire comme les autres. Et à ta camarade, on sent que son gamin l'entretient. Il faut te trouver un vrai gars. Il y a les sugar daddy. Et il y a les sugar la mort.
le monde dans lequel nous sommes, là, la moindre erreur, tu payes cash. Je vais vous dire une chose. Jésus que moi je connais, je ne vous parle pas du Jésus qui est devenu à la mode, on va dans les églises, tout est clair. Je vous parle de Jésus que moi je connais, qui est mort et le troisième jour est ressuscité là. Tu te mets à genoux devant lui. Tu lui dis, mon père, je vais t'accepter dans ma vie. Mais papa, si tu es vraiment Dieu, donne-moi une petite activité, je vais commencer. Quand je vois ce genre de choses, j'ai envie de demander au ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, je demande une audience auprès de vous. Je vais dire des choses, mais par respect pour votre rang de ministre, par respect pour le président de la République, je préfère venir vous le dire dans votre bureau. Et je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui vont voir cette vidéo, je vous demande pardon. Est-ce que vous avez lu mon livre sur les secrets de la Russie? Je vous demande pardon. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire, principalement de Yopougon, parce que le 14 octobre, je suis à Yopougon. Je vais rencontrer 1000 personnes à qui je vais faire un don qui va changer votre histoire. Tous les jeunes qui vont voir cette vidéo, tous ceux mêmes qui vont voir cette vidéo, abonnez-vous à ce compte TikTok. Ce compte TikTok, c'est mon nouveau compte TikTok. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. J'ai un seul WhatsApp. C'est le 00337 44 17 67 09. Où que vous soyez dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, envoyez-moi un message. Dit général, je veux ma prière de l'année 2024. Si tu reçois cette prière, que la mort frappe à ta porte, je démissionne. J'ai mal pour cette jeune fille, vous n'avez pas idée. Comment quelqu'un peut être découpé? Certains disent qu'on l'a découpé, vrai ou faux. Mais je suis choqué qu'on puisse. J'ai vu des panels où on la présente comme ça. On dit qu'il s'appelait Manu. Découpé. Découpé dans une résidence. Les sacrifices humains. Vous savez que 2025, en Côte d'Ivoire, il y a élection présidentielle. Cameroun, il y a élection présidentielle. Les sacrifices de 2025, c'est en 2024 qu'il faut le faire pour prendre le contrôle de cette année. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, que vous soyez au Congo, pardonnez. Au Cameroun, pardonnez. Écrivez-moi sur le WhatsApp, dit général. Je veux ma prière et je veux mon cadeau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ceux qui sont en France, je vous demande pardon. Ce samedi, à partir de 10h, venez pour la prière au 22 rue Pierre Grange, Fontenay-sous-Bois. Ça ne vous coûte rien de venir essayer. 22 rue Pierre Grange, Fontenay-sous-Bois. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pardonnez. Le 14 octobre, on se retrouve à la salle des instituteurs. Le syndicat des instituteurs, ils ont une salle, je crois, à Yopougon, Selmay. À partir de 14h, je vais vous faire vos dons. Que Dieu vous bénisse. Je suis le général Kamima Koso. À cause de la vérité et de la défense de la dignité des jeunes Africains, certains groupuscules et lobbies ont décidé de faire bannir mon compte TikTok de 2 400 000 abonnés dans le but de me réduire au silence. Ce compte TikTok sur lequel vous voyez cette vidéo est mon nouveau compte TikTok. Je demande à tous ceux qui verront cette vidéo de bien vouloir la partager et de bien vouloir vous abonner afin de démontrer à ceux qui croient être les maîtres de ce monde que le continent africain ne sera jamais la poubelle du monde entier. Que Dieu vous bénisse et la lutte continue. Shalom.